Nadine Morano est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venue. Maintenant que vous êtes députée européenne, vous êtes ailleurs, Nadine Morano. Alors justement, vous avez assisté à quoi à Bruxelles hier? Dites-moi. Non, j'étais à Paris hier. Ah, vous étiez à Paris, oui. Oui, j'étais à Paris. Mais vous avez assisté à l'audition. À l'audition, je voulais vous le faire dire, de Pierre Moscovici. Oui, vous y êtes allé. Oui, oui, j'y suis allé. Pourquoi? Ça a duré combien de temps? 4h30? 4 heures environ, 4 heures. Devant qui? Bien devant les commissaires qui ont auditionné Pierre Moscovici, et je dirais que... Le candidat de la France aux affaires économiques. Oui, et ce que j'avais prévu est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait, l'audition de Pierre Moscovici a tourné au procès de la France, tout simplement parce que c'était une erreur politique grave que de nommer Pierre Moscovici au regard des résultats de la mauvaise politique économique de la France, dont il est comptable. C'est ça la réalité. Mais il s'est montré intransigeant, j'imagine, vis-à-vis de la France, non? C'est-à-dire qu'il s'est transformé en Dr Jekyll des Mr Hyde, en fait. C'est-à-dire que nous avions Pierre Moscovici qui a voté la confiance à Manuel Valls, dont on sait très bien qu'il y aura des dérapages sur le déficit budgétaire de la France, et il s'est engagé, donc c'est l'autre visage de Pierre Moscovici, à être extrêmement rigoureux vis-à-vis de la France et de tous les autres pays pour respecter les déficits budgétaires. Mais donc, vous doutez de cet engagement? Mais il n'était... Vous doutez de sa neutralité? Il n'était pas du tout crédible. Quand une députée néerlandaise lui dit « Mais attendez, le braconnier qui se transforme en garde-chasse, vous n'êtes pas crédible, monsieur Moscovici. » Et nous savions dès le départ que la France allait se trouver décrédibilisée avec la nomination de Pierre Moscovici à ce portefeuille aux affaires économiques. D'ailleurs, nous avions demandé à ce que monsieur Juncker lui attribue un autre portefeuille. Mais ceci étant, nous avons en la personne de Pierre Moscovici un sous-commissaire européen qui est mis sous tutelle de deux vice-présidents. C'est la première fois. La France, pays fondateur de l'Union européenne, se retrouve en situation d'infériorité, en posture d'assumer un portefeuille qui est tronqué. Et donc, franchement, nous perdons en... Est-ce que Pierre Moscovici sera commissaire aux affaires économiques? Mais rien n'est joué. Au moment où je parle, rien n'est joué aujourd'hui. Il a été obligé, après cet oral, et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en 2009, lorsque Michel Barnier avait été auditionné, il avait été applaudi sur tous les bancs et la crédibilité de la France avait été vraiment là atteinte. Et là, on voit bien que nous sommes là, voilà, avec Pierre Moscovici qui se retrouve à passer après vous un grand oral, vous êtes un grand écrit. Cette nomination. Vous êtes contre cette nomination, hein, on a bien compris. Ah, moi, j'étais contre sa nomination dès le départ. J'avais même dit qu'en l'état actuel des choses, si nous n'avions pas de garantie, je ne voterais pas cette commission en l'état. Bon, vous voyez, donc ça va loin. Oui, vous ne voterez pas cette commission. Si Pierre Moscovici est commissaire aux affaires économiques, vous ne voterez pas en l'état, sans cette garantie. Commission. Alors, comme vous le savez, la Commission européenne, on la vote en bloc. En bloc. Et il y a des équilibres à trouver. Donc, moi, ce que j'attends, c'est vraiment des garanties de la part des vice-présidents, d'ailleurs, qui vont le mettre sous tutelle, malheureusement, et de savoir s'il sera à la hauteur de sa tâche, ce que je doute. D'ailleurs, je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez. Pourquoi il n'est pas à la hauteur? C'est le budget 2014 de la France. Vous voyez? Et regardez ce qui était écrit. Cap sur la croissance. La croissance est à quasi zéro. Et l'emploi. Nous sommes à 500 000 chômeurs de plus en 2 ans et demi. Et M. Moscovici est comptable de cela. Et donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui la France soit respectée, entendue, écoutée et écoutée dans l'Union européenne? Ce n'est pas possible. Il y a aussi contestation de plusieurs autres commissaires, notamment du commissaire au climat, qui est un Espagnol proposé et qui, c'est le Sunday Times qui le surnomme Seigneur Pétrole. Là aussi. Monsieur Canetti, Oui, même contestation que pour Pierre Moscovici. Alors, d'ordre différent, s'il s'est beaucoup expliqué sur le fait de détenir des actions dans les compagnies pétrolières. En revanche, il a, d'après l'audition qui a été menée, d'après les commissaires qui ont participé, et les députés européens surtout, pardon, qui ont participé, il a fait preuve de crédibilité sur ses compétences. Après, il a dû beaucoup s'expliquer sur, justement, une part de sa vie privée. Avec les compagnies pétrolières. Voilà. Bien, est-ce que la Commission de Bruxelles va valider le budget 2015 de la France?
Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore. Il y a de sérieuses réserves, même si le budget de l'État reste souveraineté nationale, comme vous le savez. Oui. Mais nous avons des critères communs que nous avons acceptés à travers le pacte de stabilité et de gouvernance. La France a accepté ces critères. Et aujourd'hui, le risque est qu'à travers ce budget 2015, qui n'est pas pour l'instant crédible au regard des réductions des dépenses publiques que ce budget devrait enregistrer, nous risquons d'être mis à l'amende. C'est alors, ça la oui, réalité. 4 milliards d'euros d'amende. Mais au niveau de 0,2% de notre produit exactement. Intérieur brut. Mais Nadine Morano, est-ce que vous-même, vous demandez à la Commission de Bruxelles de ne pas valider ce budget? Mais vous voyez, on retourne les rôles. Ce n'est pas la Commission de Bruxelles qui est le méchant. Elle intervient en gendarme, en garant. Elle peut enjoindre la France de revoir son budget. Mais bien sûr, mais parce qu'elle est garante de ces engagements collectifs qui ont été pris. Enfin, la France a accepté ces critères. Et donc aujourd'hui, la France est... Ce sont des pouvoirs supplémentaires, qui ont été donnés par Nicolas Sarkozy à la Commission de Bruxelles, vous le savez bien. Ce nouveau pacte de stabilité, en plus d'actes de 2013, Monsieur Hollande est aussi responsable mais de ces les accords. Deux, mais, les deux. Mais Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est pas la question, Monsieur Bourdin. Pardon. Mais pourquoi? Accepter des critères communs dans la zone euro me semble une très bonne initiative au regard de la crise que nous avons traversée. En revanche, que la France, pays fondateur, grand pays, grande puissance de l'Union européenne, tente de s'exonérer de ses engagements est une faute politique. Voilà. Et nous devons mener des réformes structurelles dans notre pays. La réalité, c'est que nous ne faisons pas de réformes structurelles. La réalité, c'est que nous agissons encore avec de la dépense publique, Monsieur Bourdin. C'est ça, la réalité. Le drame, c'est que ce n'est pas la première fois que la France piétine les traités qu'elle a signés. Vous le savez bien, notamment sur les déficits publics. Ça a été fait sous Nicolas Sarkozy, la deuxième fois sous François Hollande. La réalité, c'est qu'il ne faut pas mélanger les situations. Quand nous avons traversé en 2008... Nous poursuivons dans nos dérives. Nous avons traversé en 2008, en 2009, une grave crise. D'ailleurs, quand vous regardez le taux de croissance de la France à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy, pendant les deux années 2008 et 2009, 2008, très faible croissance, et en 2009, moins 2,9 de mémoire. Mais autrement, nous étions à pratiquement plus 2. Donc, nous avions un taux de croissance. Le chômage, nous avions une dette qui a progressé. Oui, c'est vrai, tout ça, c'est la réalité. Considérablement, 1000 milliards d'euros en 10 ans. Sous la droite. Enfin, bon, on va pas revenir sur... Non, ne faisons pas, mais justement, essayons de définir des bonnes règles pour ne plus avoir une dette qui explose et qui est portée par les peuples. Alors, pour aujourd'hui, ne pas vous, avoir... Monsieur Bourdin, vous vous rendez compte que pèse sur les épaules de nos concitoyens en termes de dette de la France 30 000 euros par tête. 30 000 euros. On était à 1 800 milliards à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on était à 2 023 milliards. C'est une réalité. Oui, plus 600 milliards mais sous Nicolas savez, Sarkozy. Mais vous savez, un pays devrait être aussi... les mesures devraient être prises comme un bon chef de famille qui doit gérer son budget. Puisque et ça n'est pas le cas Bruxelles, aujourd'hui. Vous êtes député européen, vous demandez à la France des économies. On est bien d'accord. Bien sûr, je demande à la France de respecter sa parole, Monsieur Bourdin, de respecter ses engagements. Elle ne le fait pas aujourd'hui. Mais c'est Bruxelles qui nous dirige. C'est pas Bruxelles qui nous dirige. C'est le Parlement européen qui nous dirige. Non, vous avez des États et vous avez des règles communes parce que nous avons accepté de construire ensemble l'Europe. Et je crois en cette Europe. Voilà, je crois en l'Union européenne, je crois en ce destin commun, je crois en cette zone euro. Mais je crois aussi que nous devons aller vers plus de convergence fiscale et sociale. La France et l'Allemagne devraient travailler à cet objectif qui nous semble essentiel pour relancer la compétitivité. Aujourd'hui, regardez, on a des dépenses publiques qui explosent. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les bons choix. Disons-le, même alors sur l'emploi, M. Bourdin, alors, parlons-en. Parlons des dépenses publiques en France. Juste un petit mot. Réforme des professions réglementées, c'est ce que demande Bruxelles. Il faut une réforme? Oui, mais la réforme des professions réglementées, telle qu'elle est prévue, telle qu'elle a été... Est-ce qu'il faut réformer et faire des économies? Il ne doit y avoir aucun tabou, Monsieur Bourdin. Non, vous êtes vous dites oui. Mais pas à n'importe quelle condition. Faut bien sûr apporter des réformes, mais le faire dans n'importe quelle condition, médecin, ça ne sert à rien. Pharmacien,
notaire chauffeur de taxi et tant d'autres. Avec qui j'ai discuté. Bon, oui. Mais on ne peut pas faire des réformes sans regarder... C'est ce que demande Bruxelles. Mais vous simplifiez les choses. Vous caricaturez. Nous avons des États et nous devons regarder comment faire la réduction des dépenses publiques. Il y a des professions réglementées avec qui nous devons travailler. Elles sont ouvertes à pouvoir réformer leur profession. Il y a des économies à faire aussi ailleurs, Monsieur Bourdin. Je vais vous en citer une qui me semble essentielle. Vous voyez, si nous étions au pouvoir, on n'aurait pas dépensé 1,7 milliard d'euros dans les contrats d'avenir et dans les contrats de génération. Nous aurions continué à baisser les charges et en contrepartie avec cette augmentation de TVA, ce qu'on appelle la TVA anti-délocalisation, qui était un dispositif indispensable pour relancer la croissance de notre pays. Vous avez mis 5 ans à avoir cette bonne idée ? Mais vous savez, je veux bien qu'on puisse tout faire en 5 ans avec une baguette magique. Ça n'a pas été le cas parce que nous avons traversé la plus grave crise économique, et vous le savez. En revanche, nous l'avions fait adopter au Parlement. Monsieur Hollande aurait dû avoir juste la simple idée de ne pas être dans le sectarisme et de regarder si cette TVA anti-délocalisation fonctionnait pour redonner de la compétitivité à notre pays maintenant. Et baisser les dépenses publiques. Alors, ça n'a pas été le cas. Regardons maintenant les économies. Tiens, la santé. Tiens. La santé. 3,2 milliards. Je vais parler de la famille. Oui. 3,2 milliards sur la branche maladie de la Sécu, médicaments, dépenses hospitalières. Là, vous êtes d'accord, là, j'imagine. Oui, il y a vous des économies à faire. Bon. Mais il y a aussi, M. Bourdin, des économies à faire sur l'aide médicale d'État, je l'ai déjà dit, qui nous coûte 800 millions d'euros et qui doit être réservée, comme dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, uniquement aux urgences. Il faut arrêter avec... Donc ça nous coûterait 400 millions, quoi. On ferait 400 millions d'euros d'économies. Ça nous coûterait sans doute encore moins que cela, mais si nous avions d'ailleurs dans l'Union européenne une uniformisation des procédures d'accueil des personnes en situation d'immigration, eh bien nous verrions qu'enfin tout le monde ne viendrait pas vers la France, et notamment pour se faire soigner. Nadine Morano. C'est impensable d'accepter cela. Parlons de la famille. Parce que vous payez des cotisations, les salariés payent des cotisations, et des personnes qui sont en situation illégale, qui ne payent pas de cotisations, viennent se faire soigner gratuitement chez nous. C'est intenable. C'est injuste par ailleurs. Alors, je vous prendrai juste un exemple. Vous avez une personne qui est atteinte du virus d'Ebola, qui arrive clandestinement dans notre pays. Vous faites quoi ? Vous pensez que ce n'est pas une urgence, M. Bourdin ? C'est pas une urgence. Vous le soignez quand même. Bien sûr. C'est vraiment un cas d'urgence. Mais alors, c'est typiquement le cas d'urgence. Très bien. Les allocations familiales, Nadine Morano, en fonction des revenus, vous savez que ça revient sur le tapis. Ouais. Vous en pensez quoi ? Non, mais ce qui revient sur le tapis... Le montant, oui, non, mais je vous donne là, sur cette question précise. Mais attendez, je vous réponds sur l'ensemble de la politique familiale. Allez-y. Vous savez, ce gouvernement a attaqué de plein fouet les familles depuis qu'ils sont au pouvoir. La baisse du quotient familial deux fois. Aujourd'hui, maintenant, c'est la prime à la naissance pour le second enfant. Ils ont supprimé la bourse au mérite pour les étudiants. Là, on nous parle des allocations familiales plafonnées. Pourquoi pas, hein ? Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait... Vous êtes favorable ? J'ai toujours dit qu'il fallait ouvrir ce débat sur le plafonnement des... Est-ce que vous êtes favorable ? Oui, je suis favorable. À la modulation des allocations familiales en fonction des revenus ? Sur les allocations familiales, je suis favorable plutôt à un plafonnement. Un plafonnement, voilà. Qui sera à combien ? Eh bien, je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça. Non, mais en gros, étudier pour voir, en fonction du nombre d'enfants, à quelle somme nous pouvons plafonner les allocations familiales. C'est-à-dire qu'au-delà de certains revenus, on ne touche plus d'allocations familiales. Je pense que c'est un débat qu'il faut ouvrir et auquel je suis favorable. En revanche... Monsieur Bourdin, il faut faire extrêmement attention parce que la politique familiale, c'est ce qui nous a permis dans notre pays d'avoir le taux de natalité le plus élevé de l'Union européenne. Cette politique familiale qui représente 100 milliards d'euros, je le rappelle, près de 5 points de notre produit intérieur brut, nous est enviée partout dans l'Union européenne et notamment en Allemagne où le taux de natalité est environ d'1,4. Donc mettre à mal, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, avec beaucoup d'imprudence, notre politique familiale et malheureusement, je vous parlais de la prime à la naissance, mais il y a également le congé parental qui est mis à mal. On voit bien que tout cela peut nuire à l'accueil des enfants, des jeunes enfants, et donc à la natalité. Je le dis parce que les parents ont besoin d'être aidés pour l'accueil de leurs enfants. Ça coûte cher, c'est une réalité, et on a besoin de soutenir la natalité dans notre pays. C'est ce qui fait notre avenir. Vous avez eu la famille en charge dans vos responsabilités ministérielles. Puis à propos de la famille, il y a eu cette nouvelle manifestation de la Manif pour tous. Est-ce que vous êtes favorable à une abrogation de la loi sur le mariage pour tous?
pense. Non, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'abrogation de cette loi. Et pourquoi, si l'UMP revient au pouvoir? Alors, moi, je vais vous dire, d'abord, je pense que si nous revenons au pouvoir, au regard de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays, nous aurons d'autres priorités. Et notre première priorité doit être l'économie, l'emploi et préserver aussi notre modèle social parce qu'il risque de disparaître, il faut le dire. Alors après, réformer la loi Taubira, je pense que l'abrogation ne se fera pas. Ce qui a été très dommage dans cette loi, parce que je l'ai dit, si nous avions fait le contrat d'union civile, Et je regrette que nous n'ayons pas eu le temps de le faire, parce que c'était une nécessité. Bon, ça n'a pas été fait. La réalité de cette loi, et ce qui a beaucoup choqué les familles, c'est la filiation. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il y a deux papas et deux mamans, ça n'existe pas. Il y a toujours un père et une mère, et il y a un parent, un compagnon, mais il n'y a pas deux papas, deux mamans. Alors justement, à propos de la GPA, la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé d'inscrire à l'état civil des enfants nés de père français et de mères porteuses à l'étranger, faut-il interdire à ces enfants la nationalité française? Non. Vous voyez, c'est non, un, c'est, vous dites non. Non, je dis non. Voilà. Alors, ça pose un problème, du coup, de se dire, mais si on dit et non. Pourquoi vous dites non? C'est la porte ouverte à la GPA, si vous dites non. J'entends ce que vous me dites, c'est un argument. Oui. Mais en même temps, j'essaye de penser aussi aux droits de l'enfant. D'accord, au droit de l'enfant. Pas au droit à l'enfant, mais au droit de l'enfant. Alors, est-ce qu'il faut interdire et sanctionner les parents qui vont pratiquer une GPA? Alors, dans ce cas-là, allons jusqu'au bout et sanctionnons-les en leur disant on n'a plus le droit de revenir en France. Mais si l'enfant vit en France, lui interdire d'avoir sa nationalité, je trouve ça inacceptable. Enfin, je trouve ça étonnant. Voilà, donc... Là, vous êtes à l'encontre. Oui, mais c'est mes convictions, Monsieur Bourdin. Non, mais très bien, mais je les respecte. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ces enfants qui sont sur Terre, qui existent, et dont on doit préserver aussi les droits. Voilà, pour moi, c'est important. Pygmalion, vous avez entendu parler, vous aviez entendu parler de l'existence de Pygmalion et de sa filiale Evante et compagnie? Oui, Pygmalion, oui. Vous connaissiez? Bah oui, bien sûr. Vous avez eu affaire comme à tout eux le monde, hein, comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas s'il connaissait le nom de la société. Il a dit qu'il ne connaissait ni Pygmalion, ni Evante et compagnie, qu'il avait tout découvert bien après la présidentielle. Vous y croyez, franchement? Écoutez, moi, j'ai vécu la campagne présidentielle. Oui. Et je sais ce que c'est qu'une campagne présidentielle. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, conformément à l'engagement qu'il avait pris devant les Français, c'était d'être président du premier jour jusqu'au dernier. Et la réalité, c'est qu'il n'a pas mis les mains dans le cambouis de cette campagne. Il a été le candidat, il y a une équipe qui a géré cette campagne. Quand il arrive, il a des tas de personnes autour de lui, tout est organisé. Alors qu'après, il découvre le nom de la société qui s'en occupe, je peux totalement le croire. Difficile de penser que Nicolas Sarkozy n'était au courant de rien, c'est ce que dit l'un des créateurs de Pygmalion, Monsieur Millot, Bastien Millot. Oui, bon, il y a la version de Monsieur Bastien Millot, il y a les déclarations de Nicolas Sarkozy, voilà. Et moi, j'ai tendance à vécu le rythme d'une campagne présidentielle, à croire. Vous pensez que c'est possible de ne pas savoir le nom de l'entreprise, alors qu'il était dans chaque meeting accompagné par l'un des responsables de cette entreprise. Oui, vous savez, quand vous arrivez dans un meeting avec des milliers de personnes. Vous ne savez pas avec qui vous travaillez. Non, mais quand vous arrivez dans un meeting avec des milliers de personnes, vous faites confiance à vos équipes, mais vous n'êtes pas là pour savoir qui a mis les écrans, a fait l'éclairage. Non, je pense qu'il ne s'est pas occupé de l'intendance voilà, ça fait partie des campagnes comme on le vit très régulièrement. Est-ce que Nicolas Sarkozy est le seul à l'UMP à pouvoir être président, selon vous? Président de? De la République. De l'UMP ou de la République? De la République, non, je ne parle pas de l'UMP. Écoutez, je pense que... L'UMP, c'est fini dans 3 mois, Nadine Morano. Oui, ça... Oui. L'UMP, ah oui, c'est fini. Oui, je pense que si Nicolas Sarkozy est président de l'UMP, nous serons dans un autre parti, configuration. À droite, à pouvoir être président, avoir les capacités. Je dirais qu'il en a vraiment toutes les qualités. Mais est-ce que c'est le seul? Il l'a démontré. Il a été beaucoup caricaturé. Je le regrette parce que voyez-vous, vous me parlez de mon mandat européen. Je peux vous dire que Nicolas Sarkozy était à la fois écouté, entendu sur la scène internationale. Et je regrette d'ailleurs que, s'agissant par exemple de la livraison des Mistral à la Russie, lui qui était capable de parler d'égal à égal avec Monsieur Poutine, la
la France renonce là aussi à sa signature et à sa crédibilité sur la livraison des Mistral. Je pense que si Nicolas Sarkozy avait été... C'est pas tout à fait renoncement pour l'instant. Ouais, enfin, apparemment, ils sont livrés, ces Mistral. J'espère qu'ils sont livrés, parce que franchement, ça serait torpiller aussi notre industrie militaire. Et si Nicolas Sarkozy avait été président de la République, il aurait parlé d'égal à égal avec M. Poutine, ce qui n'est pas le cas de M. Hollande aujourd'hui. Dites-moi, donc c'est le seul à pouvoir être président. Alain Juppé... Non, écoutez, je ne dis pas que c'est le seul, hein, franchement. Vous voteriez pour Alain Juppé, vous ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé, je vous le dis. Et quand je l'ai vu d'ailleurs hier soir, et je lui parlais de l'émission qu'il a fait sur France 2, quand on lui parlait du passé. Et lorsqu'il était Premier ministre, et lorsqu'il avait annoncé les réformes qu'il souhaitait faire, qui avaient d'ailleurs bloqué la France à ce moment-là, je lui disais, tu n'as pas à renier le passé, parce que si nous avions mis en place... ces réformes-là, à ce moment-là, nous ne serions pas dans cette situation où la France... Il avait raison 20 ans avant. Il était bon sur France 2 ? Vous l'avez trouvé très bon ? Je l'ai trouvé... Je l'ai trouvé bon pour... Mais vous savez, c'est toujours difficile de faire un plateau télé. Ah bon, hein, donc, c'est difficile de dire d'Alain Juppé qu'il est très bon, quand même, non ? Je trouve qu'il était... Il a fait une bonne émission télé, d'ailleurs, je lui dis. Il a fait une bonne émission télé. Je pense qu'il a été aussi à la fois dans le débat d'idées, mais aussi dans le respect des autres. Et ça, c'est important quand on appartient à une famille politique. Merci Nadine Morano d'être venue nous voir ce matin à 8h56.